Merci en effet de nous accueillir, de nous accorder cet après-midi, on est heureux de vous accueillir. Quelques minutes pour vous parler de l'actualité du club et puis de la structure qui détient le club. Vous savez, depuis quelques semaines, on a entrepris un toilettage des statuts. Que le travail commence. Allez, la cible. Let's go. Que le travail commence. Allez, la cible. Que le travail commence. Allez, la cible. Let's go. L'expérience, c'est vraiment ce qui va se passer avant le, avant le match. C'est les animations avant le match. C'est tout ce qu'on va mettre en place justement pour les spectateurs, pour leur expérience à partir du moment où ils arrivent au Rhenus jusqu'au moment où ils repartent. Moi, le but, c'est que, un peu comme vous le savez, je vis aux États-Unis la moitié de l'année, donc je vois beaucoup de matchs à Los Angeles notamment. Et ce qui est important pour moi, c'est que, évidemment, on veut gagner, mais qu'on gagne ou qu'on perde, que le spectateur reparte en ayant passé un bon moment et qu'il ait envie de revenir. C'est surtout ça, c'est que les gens aient envie d'être là à chaque match derrière notre équipe. J'ai envie de voir des maillots de la SIG sur les jeunes dans la rue et pas des maillots des Lakers ou de Chicago Bulls ou je ne sais quelle équipe américaine. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir des maillots de la SIG comme je vois des maillots du Racing dans les rues de Strasbourg, et ça c'est très important. Donc pour moi c'est ça, c'est mettre la lumière sur notre équipe, faire en sorte que une nouvelle, dire une espèce de forme de direction artistique avec mon regard d'entertainer et surtout toute l'expérience qu'on peut proposer aux spectateurs du Rhenus. Et cette énergie que, avec laquelle j'arrive et j'ai envie de communiquer aux fans de la SIG, à la ville de Strasbourg, ramener aussi d'autres gens derrière ce club. Et voilà, donc plein de, j'ai évidemment plein d'idées qu'on mettra en place dans les... I'm looking for your silence, I suppose. But when your shadows lay on me for 100 days, my heart on your shore. I should stop from there.